Maman, c'est chaud. Tu viens dire que Maman Pépé a publié. Qu'est-ce qu'elle a même sorti là? Que Maman Pépé a publié la fille là. Comment elle s'appelle? La fille mal élevée là. Que Maman Pépé a publié. La fille mal élevée là. Comment elle s'appelle même là? Priscaline. Et que oh, tu appelles au boycott des produits de la Gruta. Je demande à être intimidant. Tu prends ton courage ou même. Pourquoi vous restez tranquille? Vos vies de parasites de continent de France, de parasites, de quêteuses d'appartements cloîtrés avec des coins lubrides sans même plus de lumière. Pourquoi quand tu restes ta petite vie, ça veut dire que depuis que Maman Fondata a abandonné, tu ne peux même pas payer le loyer, le rester est occupé, tu veux chercher. Ça, tu vas amener le mbamz sur toi. Pourquoi tu veux amener les seins d'abeilles, le mbamz sur toi? Nous, on finit tout tranquille. On me dit, mais tu vas boycotter, tu vas vendre comme si on interdit à quelqu'un de vendre quelque chose. Maman vend, la PDG des plantains vend pour elle ici. Chacun a un cas de vendre pour lui. Maintenant, c'est la capacité que pour toi va sortir qui est importante. Je l'appelais. Comment le foulard s'il veut me déranger? Ok, hier, j'ai bien attaché ça. Oh, ça m'énerve. Hein, Tintin? J'ai dit que. Ah, pas là. Comment le foulard s'il veut me déranger? Ok, j'ai bien attaché. Seigneur, Amatchumchi me dit, mais je vais boycotter. Quand tu prends ta bouche pour prononcer que tu vas gâter le gagne-pain de quelqu'un parce qu'on doit licencier quelqu'un, je ne comprends pas, on doit arrêter un contrat de quelqu'un. Tu es qui? On est ça? Tu es qui même pour t'asseoir et déclarer même ça, tes pantalons? Va rembourser l'argent de Dorcas. On a compris maintenant pourquoi tu voulais la conda avec les étoiles. Tu croyais que quand tu allais la conda avec les étoiles, elle allait oublier le prêt d'argent. Allô, et toi, Satma Dorcas? Dorcas, nous, et toi, nous, et toi, Saté, encore ma condibou étoile. Dorcas, bête, ce mouni, m'a dit, pour même t'essayer. Dorcas a demandé son argent, tu voulais le conda avec les étoiles, tu voulais bombarder les étoiles, bombarder. Tout pour toi, c'est tout l'argent. Tu voulais bombarder Dorcas avec les étoiles, tu l'as saté, tu l'as pugé avec. Oh, les Lolocasinga, donnez les étoiles de maintenant que rembourser, bimba, avoir étoile, imbécile. Vos étoiles de tchak que vous envoyez aux gens. On a bien vu tes Lolocasinga qui donnait les étoiles aux gens. Ils donnent l'étoile à la fin du mois, l'argent de l'étoile là n'arrive jamais. Parce que justement, cette étoile-là n'est pas vraie. C'est l'étoile du tchat. On prend même les vues. Quand il dit qu'elle va faire direct avec Ngoï, ça va faire les vues. Ils vont payer les vues là pour avoir le tchat de ça. Les qui vont s'asseoir pour écouter une télé bancale. C'est les nous comme ça qui vont amener les vrais gens dans la télé. Tu parles de quoi? Les gens qui disent qu'elle m'avait dit que ces étoiles-là, quand on paye, j'ai dit que mais si tu as 100 000 étoiles, il va de soi que tu as 1 000 US. Elle dit que non, ce n'est pas ce qu'on a payé. De la paye était comme 600 comme ça ou combien. J'ai dit, ah bon, et tu, j'ai dit, waouh. J'en revenais pas. Parce que justement, oh, Thérèse est à la veille, elle a dit qu'elle t'aime. Je t'aime, Tata Lolo. Maintenant, une sort. Elle t'aime, elle te sort. Elle t'aime. Oh, c'était bon à moi. Elle mettait comme ça, n'a même piqué. Elle t'a tapé ça sec. Elle a dit qu'elle vous interdit. Elle a dit que merci de m'avoir défendu. Tu vois, tu veux gracier. Et donc, Thérèse a dit qu'elle t'interdit ça. Thérèse, tu me sais interdit. Je t'interdis de parler de la sorte. Hey, je t'interdis de prononcer. Je t'interdis. Non. Ce que j'ai entendu aujourd'hui, la Thérèse est Yubiou. Moi, je ne connaissais pas que la fille est comme ça. Moi, je ne la connaissais pas. Mais je découvre quelqu'un. On me dit souvent qu'elle t'insulte. Elle t'insulte chez elle. Elle t'insulte. Bon, moi, je ne partais pas voir. Parce que moi, je ne vois pas. Je suis bloqué tellement de gens. Hey. Mais aujourd'hui, là. Ayop, tout, je t'aime, Tata Lolo. Elle est aussi dit dans la tenue vestimentaire, les mondes sur le balcon. Bon, brun, vous ne mangez pas, échappe. Mangez en complément d'effectif de partout. Amour, on a un cachet. Quand tu as mis la fente en bas, tu caches en haut. Amour, la fille là-bas. Yosh, a tchap, ba, mouche, ngoy, bouba, lolo, cachinga, bouba, baleine. Derrière les faux profils. Mais s'en fout de vous tous, elle ne vous gère pas. Ah, mon fils, mon ami. Je comprends pourquoi tu t'es vite précipité pour faire la paix avec Dorcas. Ben, tu as senti que si tu prends Dorcas sur ton dos, tu vas chanceler sur Meta jusqu'à. Donc, tu étais dans le téléphone de Dorcas pour pleurer tous les jours. Que ouais, ma Dorcas, regarde comment l'autre m'insulte. Pourquoi tu ne peux pas répondre à telle. C'est comme ça que tu es. Tu ne peux pas faire le combat. C'est moi, je suis seul. Je me lève le matin, même ma caméra vous parle. La maison est due pour faire la peinture. Le bail vient faire. Tu ne fais pas la peinture. On ne construit pas la maison dans la maison. C'est comment? Quelqu'un a fait sa maison. Tu ne te l'appartiens pas. Tu viens faire les travaux, maman. Tout parce que tu veux prouver aux gens que c'est pour toi. C'est pas pour toi. Mais voilà. Crémaillère de HLM. Elle vient parler aux propriétaires. Ça veut dire que les gens qui j'ai laissé mon chéri au lit, je suis sorti pour aller travailler. Les gens qui se lèvent le matin pour aller gagner leur pain à la sueur de leur front. Toi, tu viens me parler. Celle qui cotise. Je dis que Thérèse a dit rendez-vous dans 10 ans. Moi-même, j'emboîte le pas. Je dis que 10 ans. Comme un chouf.
personne ne meurt. Seigneur, donne-nous encore 10 ans, nous tous, que comme si la maladie vient. Bon, le traite, chacun achète son glutathion. Pour prévoir, pour vivre un peu, tu vois, alors, lutte préventive, et puis on est là 10 ans. On va voir qui est qui. J'ai dit que propre. Tata Lolo, je t'aime. Mais vraiment, je te dis, Tata Lolo, je t'aime. Oh, Thérèse. Oh, Thérèse. Au fond, moi, je nous fais un bisou. Moi, je un bisou, toi, ma chérie. Un bisou. Et puis, elle fait un clin d'œil. Tu parles à la reine, mais tu la peux. Oh, oh là là, quelle fille, elle a une quoi, moi aussi. Elle même quand même. Mais oh, moi, elle savait pas. On m'a dit qu'elle m'insultait jusqu'à. Elle avait lavé ma patouche jusqu'à. Eh, hey, bah, allez, Thérèse. Oh, non, tu as fait fort. Tu as fait fort, ma chérie. Ne les laisse pas. Que quelqu'un tente encore de manquer de respect. Tu es le général de Dorcas, ça ne chauffe pas. Et c'est les États-Unis, première puissance mondiale, ça ne chauffe pas. Voilà. Elle est venue créer, oui, merci de m'avoir un peu à conjoint Jean-Jean pour quoi planier, étouffer, pour que Dorcas ne sorte pas. Pour casser le truc. Parce qu'elle sentait qu'elle. Ah, une Dorcas. Non, ne dis pas que je t'ai dit que je peux que tu me fasses quoi. Je tape sec, j'ai dit. Vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez me faire quoi? Je tape sec, j'ai dit. Donc je ne parle pas ici au téléphone. Ce qu'elle dit au téléphone, c'est ce que si on ouvre la caméra, elle dit. À mon âge, je vais encore venir dire les choses, habillé, pas habillé. Bon matin, bon matin, bon matin. Bon matin, bon matin, bon matin. Jusqu'à ce que ça dit que les pseudos, les sombres idiotes. Donc on va licencier, on va rompre le contrat de maman Pépé. Tu es malade. Tu es qui? Tu es qui pour demander qu'on va rompre le contrat de quelqu'un? Vous êtes jalouse de son contrat. Vous n'avez pas imaginé que quelqu'un pouvait sortir sur Meta et être puissamment puissante et suliver le diamant bleu. Suliver. Mais là où elle est, elle a la tranquillité d'être, vous pouvez mourir. Elle ne vous calcule pas, elle a même dit de ne même plus clasher. Elle vient donner les conseils à Priscaline. Vous venez dire qu'elle a publié la nudité. Où est la nudité là? Où est la nudité qu'elle a publiée là? Toi encore, Tintin, on peut dire qu'elle avait publié pour toi propre. Et ça ne chauffe pas, j'étais bien contente. Qu'elle avait publié pour toi, c'était bon à moi. Parce que c'est ta seule, la rêveuse qui avait cherché les problèmes. Et quand elle a cherché les problèmes, la rêveuse, elle est complètement mise en dehors. Là où tu étais infirmière, sur tes photos de travail, infirmière. Infirmière de service. Infirmière de cut. Avant, t'as infirmière de cut. Elle se place là, infirmière de cut. Par là qui? Ouf. Va loin. Lang, joué. Lang. Ce que je dis, Tintin, pardon. Si tu as quelque chose contre moi, tu déposes, Lolo. Tu déposes, Tintin, on quitte sur ça. Tu viens mentir que tu m'as parlé. Tu m'as parlé quand? Quand tu m'écrivais, j'ai montré mon inbox avec toi. Oui, non, coucou, ok. C'était comme ça. C'était comme ça, Tinti Pantalon. Hmm? J'ai dit que Thérèse Tchamala a fini avec toi. Elle a dit qu'elle le mépris pour sa patronne, elle ne prend pas. Vous croyez que vous allez prendre les gens dans la conjoint, tourner les gens en bourrique, moi? Le mépris pour Dorcas et Thérèse a dit que non. Bon matin, Marxiste. J'ai fait un café sans sucre. Je prends du café. Mon glutathion est déjà en train de passer dans mon corps tranquillement. J'ai dit que je n'ai rien parlé, Maureen. Je n'ai jamais parlé à Dorcas. Jamais. Merci beaucoup, bâtiment. Le bâtiment. Merci. Salut, madame et les enfants là-bas. Je n'ai rien parlé. Je n'ai rien parlé à cette tintin pantalon. Elle est malade. Elle veut faire un truc de mélangement pour que d'après elle dit que je te déteste. Les gens te détestent. J'ai besoin de l'amour des gens. J'ai besoin de l'amour des gens. Je suis une pimentière. Est-ce que j'ai besoin de l'amour des gens? Les gens doivent m'aimer pour aller. Mon mari, même mes enfants, même mes amis, même. Vous les pètes de bêta, n'avez pas besoin de votre. Attendez, j'arrache bien vos foulards. Foulards, je ne sais pas comment j'ai attaché ça aujourd'hui. Souvent, j'attache ça bien, souvent. Regardez-moi quelqu'un. Tu crois que j'ai besoin de l'amour des gens? Je suis bourré. Je n'ai pas besoin de l'amour des gens. Hein. Je n'ai pas besoin. Tu comprends, non? Elle veut dire que payer à mon temps de 150, je t'ai donné 50. Parce que tu es ceci, toujours pour rabaisser les gens sur les agents. Thérèse a dit que, normalement, il devait donner 150. Non, tu dis, Marie, mais je prends ça, tu pars avec. La famine, Thérèse, elle va faire comment? Elle qui dérince, elle doit payer le transport, elle va faire comment? La famine peut la tuer. Tu vois qu'elle va pas, elle va me donner par rapport à quoi? C'est les gens qui sont toujours en train de vouloir nous mettre comme des mendiantes. Or que nous sommes des travailleuses, des salariés. Femmes qui sortent le matin. Merde. Quitte Julie, elle va travailler. Est-ce qu'elle est là pour dormir? Elle se drogue, elle se chute. Elle fume comme une cheminée. Elle boit comme je ne sais même pas quoi. Et voilà. Comment j'aime tout ça ici? Comment j'ai attaché le foulard là aujourd'hui? Ça m'énerve. La manière d'attacher le foulard là aujourd'hui. En tout cas. Elle aime pas aller. Thérèse a tout dit.
remets l'argent de Dorcas. Remets l'argent de Dorcas. Remets l'argent de Ma Dorcas. C'est parce que Ma Dorcas a réclamé son argent. C'est là que tu es devenue folle. Remets son argent. Je ne suis pas au travail. Si il y a au travail, Ma. Hein? Si il y a au travail, je commence dans quelques temps là. C'est comme ça. Est-ce que la vie est facile? Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Comme mon coup, mon goût, merci, bon. Attends, je que j'ai trop avancé, ma voiture, je vais un peu reculer. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Pas de saboter quoi sur l'occupation quand les gens sont en train de prendre ça partout. Voilà. Regardez-moi ça. Moi, je suis garé au travail. J'attends pour commencer. Nous, on travaille ici, là. Allez travailler. Les mendiants de l'Europe, là. Allez travailler. Allez travailler. Cotisez pour vos retraites. Voilà. Allez travailler. Vous cotisez pour vos retraites. Les mendiants de l'Europe, là. On n'est pas là à qui? Nous, on travaille. On gagne notre pain à la sueur de notre front. C'est pas la blague. On travaille. Comprenez donc, imbécile, d'autres du jour, tu sommes en bête là. Tu as senti que si tu ne baissais pas, tu devais sortir depuis longtemps pour parler comme ça. Tu es en retard à l'éducation, tu n'as pas les valeurs, tu n'as pas le respect de l'humain, tu n'as pas, tu méprises les gens d'un mépris pas possible. Donc, quand ça vit, c'est la soumise, ça t'a dépassé. C'est le gouvernement qui a payé le billet d'avion de Titi Pantalon. On nous a dit ça propre. Elle vient mentir que c'est les Lomaya. Ils vont prendre l'argent pour payer. Premier cas, c'est 5 000 $. Ils vont prendre 5 000 $ où, quand ils donnent les étoiles de tchat. On te donne 88 000 étoiles qui correspondent, 8 000 octaves correspondent à 80 $. À la fin du mois, tu n'as pas 80 $. Ça fait comment? De 8 000 étoiles partout. Parce qu'ils donnent et ils ne peuvent pas te canceller le don. Ils veulent seulement que Facebook voit qu'on a donné. C'est comme ça qu'on donne à, elle dit que NASA en tout mou. Et qu'ils n'ont pas payé, ils ne peuvent pas payer 5 000 euros. 5 000 $ pour le billet d'avion pour qu'elle aille. C'était 5 000 euros. Une escroque avec sa tante, elles ont escroqué. Sa tante a escroqué sans combien de personnes. Elle vient dire qu'elle va boycotter l'occupation de la Guitare. Quand sa tante est une bandite de gars, je mets au moins 125 familles qui sont en train de payer au pays. Elle ne parle pas de ça. Mon mari est fier de moi. Vous comprenez quoi? Il est fier de son épouse. Un petit sapin comme ça, tu as aidé, tu as volé le nom de Fondja 13 ans. Aide-moi à rester. Il a fui en mettant les pieds sur la tête. Maman, le gars est devenu une star sur Facebook. Franchement. Elle est sérieuse là. Boycotter, attends alors. Moi, je te dis que j'attends une commande. Quand ça va arriver, ça va partir comme ça. Je dis qu'on va tellement boire l'occupation là. On va même se oindre avec. Tiens, on va se oindre avec. Juste pour le mal. Sorcière. Tu n'as même pas honte. L'appel des plantains qui a dit qu'elle vendait l'eau avec. On va te demander d'expliquer même ce que tu vends. Les gelules que tu as vendues, ça a fait la guerre du statut au tribunal là. Tu as pas vu ça. Tu n'as même pas honte. Au lieu de faire comme si tu ne vois pas quelque chose, tu sens que vie est ignorée. Tu n'arrives pas à ignorer. Hein? Tu n'arrives pas à ignorer. Nous sommes en Amérique du Nord. On bosse. Travail, un travail, deux travail, trois. C'est comme ça. Il est menti. Et ma chère, c'est le gouvernement qui a payé le billet de Tinti Pantalon. On est là sous ce sur. Sous ce sur, c'est le gouvernement qui a payé. Elle se cacher là, que, comme si elle a fait. Oh, maman, donne-nous tout. On dit que hein, le inbox, que si elle tente le inbox avec Dorcas sort, qu'elles se sont gâtées en inbox propre. Et le Congo, ça dit ça. Qu'elle, pour l'argent. Donc Tinti Pantalon a pris l'argent à Dorcas, dit qu'elle va rembourser, n'a pas rembourser. C'est pas qu'elle voulait l'étouffer avec les étoiles de tcha. Et maintenant, quand Dorcas est venu demander son argent, c'est venu le problème. Va à l'histoire, ma chérie Morène. Ah, histoire, là, ma chérie. N'a même pas une petite parasite comme ça. Elle vient me parler. Elle vient me mettre dans l'oreille de parce que sa tante, c'est une escroque de grand chemin. Parle de l'escroquerie de Mana la Tonganesse. Tant que femme pour Paola Cynthia. Je dis que tant que femme pour Paola Cynthia. Parle de sans voix. Tant que femme pour Paola Cynthia. De son nom qui s'assumait, là. Une fille qui a 3-4 congélateurs, mon frère, plein. Parle de quoi? Ah, mais c'est une parasite. Tu m'énerves, tu veux faire la visite guidée, hein. Maman, au travail, pointez. Les gens qui sont au travail, venez pointer ici. Voilà les gens qui sont au travail. Merci pour les étoiles, ma chérie Morène. Voilà les gens qui sont au travail. Venez pointer les gens qui sont au travail. Les vieilles chouettes avec piment. L'infirmière du piment vient parler qu'elle va boycotter. Tante Tintin. Tante de t'asseoir sur ça. Tu vas confirmer c'est qui avait mis l'eau dans le noir de coco. Je vais te traiter. Imbécile. J'ai à monter mon inbox avec toi. Il n'y a rien. On ne traitait rien ensemble. On ne peut rien traiter avec une enregistreuse de talent. Je te prenais comme ça. Petit vélo. Petit vélo. Mais elle savait qui tu étais. Même chose avec Dorcas. Terre Chamal va te traiter. Ne viens pas faire les pères semblants. Là. Je soutiens Dorcas aujourd'hui, demain, après demain. Dorcas, c'est qu'elle lance les pics, c'est rien. Elle sait. Ben, j'ai aucun point avec Dorcas. Aucun. Je ferme les yeux, je n'ai pas un point avec elle. Vous aimez souiller les gens. Oh, elle vend les macabos. Oh, c'est si, oh, c'est là. Si elle vend, toi, tu fais quoi? Elle vend les macabos. Toi, tu fais quoi? Merci pour les étoiles, Mavizo, le chou. Il y a un bloc d'étoiles qui est allumé là, qui est activé là. Bombardé. L'étoile de Mavizo me donne une grosse bouche. Oui, oui, pointé. On travaille. C'est ça. Le froid est là, la neige est là, on sort travailler. Oui, oui. Vous comprenez, non? Donc, il faut sortir de travailler. Tente de t'asseoir sur les produits de Guta. Peut-être que tu ne sais pas que si le représentant en paix. Mathieu, quand même, je vais te montrer ce qui avait mis l'eau dans le noir de coco. Petite peste. Otam. Je dépose les choses d'Otam ici. Comment il s'appelle? Papa Fondja. Je deviens sa star, sa fan number one. Je partage toutes ces choses. Imbécile.
Tu n'as même pas honte. Manati, mon bébé Corinne est là. Voilà, c'est comme ça. Nikon Ketcha. Madoka, c'est ta mère. Ne tente même pas. Laisse les affaires de Ngassa, Janine et tout ça. C'est ta mère. Elle peut t'accoucher. Respecte tes mamans, Nikon. C'est fini ça. C'est fini les choses que tu as insulté tout le monde là. Madoka, c'est ta mère. Voilà. Arrête les conneries. Petite peste comme ça. Mm-hmm. Va faire la paix. Je te remercie de m'avoir... Thérèse. Oh, Thérèse. Oh, Thérèse. Je t'aime, Thérèse Tchamale. Oh, c'est pas possible. Je t'aime. Comme elle dit, tata Lolo, je t'aime. Thérèse, elle insulte. Elle dit, je t'aime. Elle insulte. Oui, oui, oui. Tentez de boycotter le truc de Brigitte. Je dis que tente, Tintin. Tu vas confirmer le code. Franchement, une petite peste comme ça. Voilà. C'est ta mère. Même si tu entends encore dire qu'on a téléphoné à l'autre maman qui a parlé, l'autre maman, tu t'en fous. Ta mère, c'est ta mère, même si elle est folle. Allez, pardon. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front, pas à la sueur de ton couteau. Alors l'infirmière du net là, l'infirmière du piment, Titi Pantalon, tu te tasses. Rembourse l'argent de Dorcas. Rembourse l'argent de ma mamiton, de ma yamse, de ma mère. Parce que Dorcas et mamiton, c'est mes mères. Rembourse l'argent de ma mère. Petite peste, petite parasite, imbécile. Je vais boycotter tant les choses de la guita. Tu vas me sentir. Ça sera pas les affaires que ma chère veut courir sur toi. Imbécile. Il y a un jouet. Bilan.